This is the voice. Bienvenue dans cette émission rétrospective 2019. Nous allons vous parler des grandes étapes de cette année, très riche en actualité, ce que nous vous avons fait vivre à travers nos dossiers et nos reportages de la rédaction. C'est la dernière année de cette décennie 2010-2019. Les actualités ont été riches, abondantes, édifiantes et choquantes par moments. Nous avons donc préparé une compilation de ces instants phares de 2019. Nous sommes également partis à la rencontre de ceux et celles qui ont vécu ces instants au plus près. Vous le verrez, ces moments les ont marqués à vie. D'autres faits, d'autres actualités ont été beaucoup plus choquants, malheureusement. Et vous le verrez, les Mauriciens sont montés au créneau pour dénoncer ces choses qu'ils ne souhaitent plus voir au sein de notre société. En 2019, les événements qui nous ont rassemblés n'ont pas manqué. Nous avons vécu avec la même fierté, le même bonheur, le même enthousiasme, de grands moments. Et ce soir, c'est le moment de revivre quelques-unes de ces actualités. Dans les semaines à venir, quitter Rosyle pour Port-Louis pourra se faire en 19 minutes. 19 minutes seulement, sans les coups de klaxon, sans les embouteillages, sans les longues attentes à l'arrêt d'autobus. Le 3 octobre dernier, ici même, au dépôt de Richelieu, le Premier ministre et son homologue indien procédaient au e-launch du métro express. 2019 aura été l'année de la finalisation de ce projet de transport intégré. Today, we are, all of us, as a nation, making history. We have always dared to aim high, while being pragmatic and realistic, always forging ahead, never setting a limit on what we can achieve. The launching of the Metro Express sets us on a journey with the confidence that the future can be even more promising and brighter. We are proud that India had partnered Mauritius in this and other projects of direct public interest. En 2019, les 32 chantiers de Larsen & Toubro sur le tracé de 12 km sont devenus un seul et même site de travail. Le test final du tracé, c'est-à-dire sur les 12 km, se fera à la mi-septembre. Nous appelons ça le Final Integrated Testing. Tout s'est fait simultanément des derniers travaux d'infrastructure. À l'électrification des stations, en passant par l'arrivée des trains. Le premier Airbus 100 de troisième génération a été débarqué le 4 juillet dernier. Ce train-là pour les peuples. Après Azodi, l'île Maurice, pas pour pareil. Tout pour changer. Ce n'est pas simplement un projet d'infrastructure, c'est une combinaison de personnel, d'infrastructures, de processus et de systèmes, tous fusionnés pour le progrès.
Depuis juillet dernier, Metro Express a démarré ses essais techniques, des essais à différentes échelles qui se poursuivent. Parallèlement, la deuxième phase QRP Prozil a déjà été enclenchée, ce qui représente un nouveau challenge. Monsieur Mangram est super répondant à une bonne question. Nous arrivons en décembre, aujourd'hui, décembre 2019. Cette année-là, ça a été l'année pour le Metro Express. Donc, cette année-là, c'est plus en termes infrastructure, plus en termes système, puis en termes les assets qui nous viennent, comme les trains, l'électronique ticketing machine. Donc, tout ça, là, nous trouvons cette année-là. Bon, depuis Brésil, c'est ça pour lui. Tout ça, une station-là, tout ça, un élévateur d'air et le cas, tout ça, là, une complété. Est-ce qu'il nous a dit Zodizou que le tracé de Rosil a pour lui, il est secure, c'est-à-dire que le train est capable de voler comme un bizin, que tout ce qui est bizin est dans toutes les stations qui sont dans ce tracé-là, il est déjà là? Donc l'infrastructure, le track comme on le dit, les rails, les tractions, l'électricité, les tractions c'est l'électricité, donc tout ça a fait un prêt. Okay? Là, ce qu'il nous peut faire un test sur le système individuellement et bientôt nous pouvons intégrer le tout. Okay? Donc ça peut passer dans quelques jours à venir. Vous êtes déjà prêts pour faire les opérations. Quand vous dites moi qu'ils ont pu intégrer tout dans le test là, ça veut dire quoi dans la réalité? Ça veut dire que nous dans, par exemple, disons nous testons dans traffic lights en individuel, nous testons dans train là sur AVLS, du point de vue GPS comme ça, nous testons les en individuel, mais après nous devons intégrer le tout. Parce que nous prenons le OCC control qui dans Richelieu là, c'est lui qui peut contrôler partout. Donc nous avons un système d'intégration pour assurer que le système est seamless durant l'opération. Une fois qu'il nous arrive à l'opération même du Metro Express de façon commerciale pour le public en général, nous avons pensé qu'il s'abanne sa système de transport intégré là, il est en marche. Oui, effectivement, nous avons intégré nos systèmes avec le feeder bus. Okay? Donc durant nos phases de commercialisation, tout pour en place. Nous connaissons qu'il nous en décembre 2019 et nous très probablement pour arriver à lancement d'une opération pour le métro. Quand nous arrivons dans le personnel même mauricien, est-ce qu'ils sont déjà prêts pour commencer les opérations? L'équipe est fin prêt. Depuis un an, j'ai le training required. J'ai même gagné un training de first aid, de fire safety. Donc c'est un training très intense qu'ils ont recevoir durant ça un an là pour qu'ils aient fin prêt pour les opérations. Et dans plusieurs places chez le tracé, côté le train lié à l'intersection de Ban Sema, donc côté un croisement avec Ban Automobiliste, et qui pas nécessairement Ban Mauricien encore capable de comprendre. Dans ce sens-là, est-ce qu'IML prévoir plus d'informations, plus de sensibilisation? Au fait, on a déjà commencé, nous l'équipe qui a déjà commencé ce travail là, nous avons une post Facebook aussi que nous expliquons à chaque intersection comment ça marche. Mais là, nous pouvons faire un peu plus agressif, une sensibilisation un peu plus agressive parce que les signalisations fait que mettre en place les traffic signals, tout ça. Donc là, nous parlons un peu plus dessus, nous pouvons commencer une sensibilisation un peu plus agressive on peut dire, pour le moment, parce qu'il nous permet en opération. Alors, Mokone, ça a été une année bien remplie pour le Metro Express, où nous sommes bien occupés avec tout ce qui finit d'arriver pour le métro, mais est-ce qu'éventuellement on gagne l'occasion qui est une autre actualité qui intéresse de l'année? Bon, le Metro Express, comme vous connaissez, c'est l'année du Metro Express, donc c'est vrai que tous nous les temps, pratiquement focus sur le Metro Express, mais nous aussi gagnons le JOI qui tient bon, il amène un bon engouement dans Maurice, que nous fait toute la famille mauricienne réunie. Donc nous espérons nous faire la même chose avec le Metro Express, nous vous réunir le public ensemble avec nous l'opération.
Février 2019, le Premier ministre Pravin Jugnauth remporte le procès MedPoint devant le Privy Council. Le conseil privé de la reine conclut que sous les dispositions de la loi mauricienne, la Prevention of Corruption Act, l'argument d'intérêt personnel ne tient pas dans la procédure administrative entérinée par Pravin Jugnauth en 2010, alors qu'il était ministre des Finances, pour réallouer les fonds pour l'achat de la clinique. Le Privy Council vient appuyer le jugement de la Cour suprême qui avait donné gain de cause à Pravin Jugnauth et rejette dans la foulée l'appel déposé par le directeur des poursuites publiques. Comme un signe du destin, alors que nouvelle année vient de commencer, des bébés siamois voient le jour le 4 janvier à l'hôpital Jawaharlal Nehru à Rosebel. L'actualité fait le tour de Maurice, la presse internationale s'y intéresse également. Reliées par le cœur, les sœurs jumelles se portent bien, ainsi que leur maman. Surnommées Cléa et Cléane, elles occuperont les premières pages de l'actualité pendant plusieurs semaines. Tout le pays reste au chevet des bébés de leur naissance jusqu'à leur séparation réalisée 3 mois plus tard par des chirurgiens indiens. Une intervention délicate empreinte d'émotion devant la certitude que l'une des petites filles ne devrait pas survivre à cette séparation. Le 18 mars, la petite Cléa passe le relais à sa sœur Cléane et lui offre un nouveau départ dans la vie. À l'arrivée, accueil des plus chaleureux au président Philippe. Parmi les personnalités qui ont visité le pays en 2019, le président mozambicain Filipe Jacinto Nyusi est l'invité d'honneur des célébrations de l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage à Maurice. Cette visite en février voit la concrétisation de plusieurs accords de coopération entre les deux pays. Pour les célébrations du 12 mars, le pays accueille Ange Rajoel, président de la République de Madagascar. Les deux pays signent des accords portant sur les dessertes aériennes, la pêche, le judiciaire et l'enseignement supérieur. Maurice fait don de 100 000 dollars au gouvernement malgache pour lutter contre la rougeole. Dans la série des faits divers, les accidents de la route restent en haut du tableau. Plus de 130 victimes pendant l'année. Deux accidents d'une rare violence ont marqué les esprits. Le 15 janvier, le pays se réveille consterné par la nouvelle. 4 jeunes ont trouvé la mort atrocement dans l'incendie de leur voiture. La voiture avait terminé sa course contre un arbre avant de prendre feu. Des flammes ont tout détruit en quelques secondes. Le 12 octobre, 6 personnes trouvent la mort dans l'accident de leur voiture qui aurait fait une sortie de route avant de s'écraser contre un mur. Les occupants du véhicule, dont la plupart avaient entre 14 et 20 ans, habitaient tous la même localité. Autre événement phare de cette année 2019, bien évidemment, les 10e Jeux des îles de l'océan Indien, organisés ici chez nous à l'île Maurice. Nous irons à la rencontre des athlètes qui nous ont fait vibrer dans le reportage qui suit. Allez Maurice, un cri de ralliement repris par le pays tout entier. Il a résonné dans tous les coins de l'île, son écho allant jusqu'aux autres pays de l'océan Indien. Car lors du mois de juillet, Maurice a vibré au rythme des Jeux des îles. Et pour cette 10e édition organisée chez nous, nos athlètes ont frappé fort. 28 juillet, coup d'envoi de cette messe sportive régionale. Les athlètes des pays participants font leur entrée sur la piste du stade Anjalekoupen. Le quadricolore mauricien est porté par une jeune fille jusque-là pas tout à fait connue du public. Elle s'appelle Noémie Alphonse et s'apprête à laisser une marque indéniable sur le sport régional. En fait, comme une gaille la nouvelle, je suis très émue et très contente à la fois. Mais je connais vraiment comment ça va passer. C'est juste quand une banane de moi drapeau là et qui nous commence à faire la queue et qui quand nous rentrons au stade, c'est là que tout le monde commence à crier. Mengay frisson entier meneko et maintenant me l'homme qui fait rouler d'un religieux et me fait prier pour pas tomber mais c'était vraiment faux parce que
C'est un moment de premier jeu des îles qui m'a participé et être représenté Maurice comme porte-drapeau et aussi représenter la les personnes qui portent un handicap. Pour moi, c'était vraiment faux. Tout le monde est ensemble et quand on trouve une photo qui, que tu montrez-vous, toute religion persisée fait crier. Mais c'est là que je me dis, oui, vraiment, Maurice, c'est un seul nation, un seul espèce. Les compétitions seront suivies par tout un peuple, celui de l'océan Indien. La MBC mettant les gros moyens aux côtés de l'Artois pour une retransmission en direct des épreuves comme jamais réalisée auparavant. Des milliers de Mauriciens convergeront aussi vers les stades et autres lieux de compétition. Les places sont rares et valent leur pesant d'or. Les premiers jours de compétition sont dominés par nos voisins réunionnais, mais le bassin olympique flambant neuf du complexe sportif de Côte d'Or allait vite porter chance aux Mauriciens. Certains noms reviennent, telle une évidence, Alicia Kokshoun, Bradley Vincent ou encore Soufiane Ropen. En 2015, il a eu médaille d'argent à l'île de la Réunion. Alors, il a travaillé dur beaucoup pour avoir les médailles d'or. Il a travaillé beaucoup pour avoir ce médaille d'or aujourd'hui. Petit à petit, la mainmise réunionnaise sur le tableau des médailles se fragilise. Madagascar et les Seychelles offrant une rude concurrence. Les athlètes mauriciens se démarquent, portés par toute une nation. Ils se voient pousser des ailes. C'est sorti poussé par le public, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et je dois dire un grand merci à tous les Mauriciens qui ont fait le déplacement. Et vive Maurice! Les médailles commencent à tomber dans l'ensemble des disciplines. Des victoires attendues, mais également d'autres qui viennent déjouer les pronostics. Une lueur d'espoir commence à envahir le pays, et si c'était notre année? Beaucoup d'efforts et une grosse joie à la fin. Rwania Ranaïboso. Les jours se succèdent et la tendance se maintient. Ce dont un pays rêvait paraît maintenant à portée de main. Le public l'a senti et nos athlètes l'ont compris. Ces valeureux jeunes prennent de l'ampleur, raflant l'or et faisant tomber des records. C'est dans ce sentiment d'euphorie grandissant que Noémie Alphonse vient inscrire son nom au tableau des médailles. Elle décroche l'or au 1500 mètres fauteuil, mais au-delà de cet exploit, la Mauricienne viendra donner tout son sens à l'esprit du sport. Comme une challenge fit qui dit devant moi et me trouve ma gâche, après me trouve comment, mais pas me trouve la fille réunionnaise, c'est comme une continue ferme et tout, c'est là qui me trouve lui. Pour moi, les titres et qu'il observe au moins termine les courses là, les franchir la ligne d'arrivée. Et me n'a l'encouragé vu qu'il t'en a. Moi, me tu pensais qu'il y reste un seul tout et qu'il y peut finir. Comme tu as à côté de lui, me tu dis allez, continue, tu as presque terminé. Pour moi, dans ma tête, c'était un seul tout, donc tu as presque terminé, continue comme ça, c'est super. Alors que Maurice avance vers le sacre, la météo viendra quelque peu jouer aux troubles faits. Kurpip allait maintenir sa réputation d'endroit pluvieux. Le stade Georges V était devenu au fil de la compétition l'antre de la sélection mauricienne de football. Le théâtre de l'union tant attendu entre le club M et son public. Les Kevin Pertico, Ashley Nazira et autres Stéphane Nabab allaient mener l'équipe en finale. Initialement prévue à Kurpip, elle se jouera finalement à Flac. Seul point noir au palmarès des Mauriciens qui allait tomber sur un coup du sort face aux Réunionnais. Une défaite en finale certes, mais cette équipe-là et l'ensemble des athlètes qui ont porté haut notre quadricolore avaient réussi l'exploit de gagner le cœur de tous les Mauriciens. C'est pas juste c'est-à-dire athlète-là qui fait tout ce travail-là, ouais, il gagne, donc le ministère il fait tout ce travail. C'est pas juste ça, c'est athlète, c'est entraîneur, c'est le ministère, c'est, et en plus c'est tout le monde qui sont venus, qui une de nous courage, parce que comment me tirer rouler, ça. Quand on rentre au stade, on me fait dire, moi je connais ça maintenant, je ne connais pas, parce que je change et met carrément, et je couvre ma figure. Et quand on tente ce stade-là, crier, c'est ça même qui donne ça, l'adrénaline que tu peux manquer là. Au classement final, l'on pouvait réaliser l'ampleur de l'exploit que ces jeunes venaient de réaliser. Maurice a décroché 223 médailles au total, dont 92 en or. Pour la toute première fois de l'histoire, notre pays allait terminer à la première place des Jeux des îles de l'océan Indien. Si
C'est ici même, un 9 septembre 2019, devant des milliers de Mauriciens venus de partout, que le pape François a dit la messe. Une cérémonie tout en symbole, à l'image même d'une île Maurice pluriculturelle et unie en ce jour mémorable. Cette journée à Maurice était la dernière étape d'un voyage d'État et apostolique dans l'océan Indien. Il a commencé au Mozambique, puis à Madagascar et enfin à Maurice. La foule était à l'aéroport de Plaisance pour acclamer le souverain pontife. Cette foule a dit sa joie, sa fierté d'accueillir pour la deuxième fois un pape. Tout au long du parcours jusqu'à la cathédrale Saint-Louis où le pape François a eu son premier contact avec le peuple mauricien. Un moment fort qui a fait couler bien des larmes de joie. Ils ont dit qu'ils gagnaient la sauce pour tous se larmer, mais ça fait moi beaucoup plaisir. Inoubliable, jamais vu, jamais vu tout, les papes ici à Maurice, mais pour une première fois, ça ne touche moi. Moi-même sauter, pas capable de tenir parce que l'Esprit Saint était là. J'ai aucun mot à dire tellement je suis émerveillée. Cette marée humaine l'escortera jusqu'à Marie-Reine de la Paix pour la messe, où l'homélie du successeur de Saint-Pierre sera grandement axée sur les jeunes. Loro, in nostri giovani. Ceci, nos jeunes, sont notre première mission. Nous devons les inviter à trouver leur bonheur en Jésus, et pas de manière aseptisée ou de loin, mais en apprenant à leur donner une place, en connaissant leur langage, en écoutant leurs histoires, en vivant à leur côté, en leur faisant sentir qu'ils sont bénis de Dieu. En chef d'État, cette journée a aussi été marquée par des rencontres avec les autorités et les représentants de la société civile à la State House. C'est un pape François impressionné par le visage multiple de l'île Maurice et qui se confiera dans l'avion de retour vers Rome. La capacité d'unité interreligieuse, de dialogue interreligieuse. Je voudrais dire quelque chose de plus sur le voyage qui m'a tant frappé. La capacité d'unité interreligieuse, de dialogue interreligieux. La différence de religion n'est pas effacée, mais il est souligné que nous sommes tous frères et que tous nous devons parler. Cela est un signe de maturité de votre pays, Maurice. Père Goupil, merci de nous accorder cet entretien. Le pape François a été chez nous pour une journée, une petite journée, mais on a vraiment l'impression qu'il a capté l'essentiel de ce pays, l'âme de ce pays. Je suis d'accord avec vous, c'était vraiment extraordinaire. Depuis sa descente d'avion, quand il est monté dans la voiture, d'abord son vouloir de proximité avec les gens. Et moi, j'étais vraiment bouleversé de voir cet enthousiasme à tous les ronds-points des personnes, des Mauriciens de toute religion, de toute culture, qui vraiment l'accueillent avec leur cœur. Et je pense que ce voyage jusqu'à la Reine de la Paix a été très marquant et il lui a permis de saisir vraiment l'esprit du pays, de toucher l'âme de notre pays. On a l'impression que ce voyage, cette messe et les rencontres qu'il a pu avoir pendant cette journée-là, ça n'a pas été la journée que des catholiques, ça a été la journée de tous les Mauriciens et ça a été la bénédiction pour tous les Mauriciens justement. Ben vous savez, déjà depuis la béatification du Père Laval, nous avions retenu un message de l'ambassadeur mauricien aux Nations Unies à l'époque, M. Ramphol, qui avait dit que la sainteté unit. Je pense qu'un homme saint qui dégage un charisme sainteté, peu importe sa religion, eh bien il rassemble. Parce que les personnes sentent que c'est sincère, c'est gratuit, c'est un amour gratuit donné, c'est une écoute. Et puis il y a, allons dire, cet aspect de bénir notre terre. La sainteté qui débarque sur une terre, bénit cette terre, bénit ses habitants. Et ça, je crois que ça fait profondément partie de la croyance de tous les Mauriciens. Dans l'avion du retour vers l'Italie, il n'a pas manqué justement de saluer, de revenir sur le visage multiple de Maurice. Et je pense que ça l'a beaucoup touché. Vous savez, quand il a signé son grand document sur la fraternité humaine à Abu Dhabi, il a dit quelque chose de très important, c'est que dans le dialogue interreligieux, nous pouvons bien sûr différer, avoir des opinions différentes sur ce qui s'appelle les dogmes, c'est-à-dire les vérités de foi, même la manière dont nous accueillons les écritures sacrées. Mais c'est la main tendue, c'est la fraternité
qu'il est important de cultiver, de développer. Alors je pense qu'à Maurice, même ce bouquet qu'il a reçu du président de la Juma Mosquée quand il est arrivé pour déjeuner à l'évêché, ça l'a beaucoup marqué. Et il a senti que ce qu'il voulait, c'est-à-dire favoriser la main tendue, la fraternité entre les peuples, eh bien, d'une certaine manière, dans une journée à Maurice, il avait vécu totalement. Qu'est-ce qui reste de ce passage chez nous? Eh bien, vous savez, je pense que l'année 2019 qui se termine a été une année forte en émotions. Ça a été une année de mauricianisme. Parce qu'il ne faut pas oublier les Jeux des îles de l'océan Indien. Il y avait quand même un élan national, au-delà des religions et des particularismes. La venue du pape nous a compris qu'il avait une âme mauricienne profonde, au-delà de toutes les divergences. Nous avons eu deux papes déjà. Est-ce qu'on peut espérer un troisième? Qui sera le prochain pape, nous ne savons pas. Et ça a été exceptionnel vraiment d'avoir cette chance d'accueillir le pape pour une journée à l'île Maurice, après Jean-Paul II, qui avait été aussi à Rodrigues. Eh bien, nous pouvons espérer. Mais il faudrait aussi voir si nous pouvons accueillir de temps en temps des personnalités religieuses, saintes d'autres religions. Et je crois que ça aussi, ça sanctifierait notre terre. Au-delà de cette journée mémorable du 9 septembre, qu'est-ce qui vous a marqué, Père Goupil, durant l'année? Eh bien, moi, je suis vraiment heureux de voir que nous avons commencé notre cours interreligieux Peace and Interfaith Studies à l'Université de Maurice. Et c'est un espoir extraordinaire. Nous avons eu les diplômes, la remise des diplômes la semaine dernière. Et cet enthousiasme de voir des gens découvrir la religion de l'autre dans sa profondeur, pas seulement dans sa superficialité, d'aller au-delà des préjugés, des idées toutes faites, pour communier vraiment à l'âme d'une religion, retirer ses chaussures pour entrer dans les chaussures de l'autre. Et je vois l'enthousiasme de ces étudiants, même s'ils ne sont pas nombreux. Là, c'est une petite graine que l'on a jetée en terre et j'espère que tous ces étudiants seront porteurs de lumière et d'espérance dans leur quartier, dans leur famille, dans leur pays. Ça a été ma grande satisfaction de l'année. Au-delà de l'actualité générale, une actualité plus légère qui vous aura marqué cette année-ci, un livre, un film, un événement culturel? Et moi, je vous dis franchement, j'aime beaucoup les chansons du Père Jocelyn Grégoire. Par exemple, « Renforcimo la foi », moi je trouve que c'est très bon. Et vini comment tu étais, vini comment tu étais, avec ce qui tu étais. Chacun de nous, nous n'avons pas une comédie, un rôle à jouer. Nous venons avec ce que nous sommes, avec ce que notre histoire a écrite pour nous. Et vini comment tu étais, c'est une chanson qui me touche beaucoup, que je fredonne souvent. Et puis je dois vous dire que l'ouverture du Codan Art Center a été pour moi quelque chose de très fort. Je pense une belle initiative, parce que la culture, le théâtre, le partage au niveau de l'art, quelque chose de très important aussi pour rapprocher les Mauriciens. Merci beaucoup. Bonne année à vous. Bonne année. Demandez, je peux gagner. Rodé, je ne pas découvert. Tape la poudre, les poudres. Une société plus sûre, plus sécurisée, 2019 a aussi été l'année de l'entrée en opération des caméras de surveillance sous le Safe City Project. Ces caméras permettent de capturer des images de haute définition dans un rayon de 200 mètres et permettent ainsi à la police de réduire son temps de réaction en cas de délit. Sous le Safe City Project, l'Information Room de la police a été transférée au centre de contrôle et de commandement à Eben. L'installation des caméras, soit 4000 au total, se poursuivra jusqu'à la fin de cette année. En septembre 2019, il y a eu le lancement du National Drug Control Master Plan 2019-2023, une feuille de route élaborée en collaboration avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Elle vient consolider les nombreuses mesures prises par les autorités pour lutter contre le trafic de drogue. Ce document a 4 axes d'intervention: le renforcement des capacités, le respect des droits humains, l'intégration de la dimension du genre et la prévention. Au total, de janvier à novembre de cette année, l'ADSU a saisi pour 2,2 milliards de roupies de drogue.
C'est une réalité depuis septembre dernier. Maurice est le deuxième pays en Afrique à abriter une Liverpool International Football Academy. Anfield offre à travers cette école de formation toute son expertise dans le football. 108 millions de roupies ont été alloués à ce projet. Annoncé dans le dernier budget, The Liverpool Way se passe du côté de Côte d'Or. Et l'on retiendra également de cette année la prestation des jeunes de l'atelier Mozart au festival du jazz et de blues à São Pedro au Brésil. Pas de fausses notes pour les momos, ils font brillamment fusionner le jazz et le Sega devant des mélomanes avertis. Les initiatives de l'État mauricien de forcer le Royaume-Uni de rendre l'archipel des Chagos et de mettre fin à son administration des Chagos prennent une tournure décisive en 2019. Devenu un combat de la communauté internationale depuis que l'État mauricien avait recherché 2 ans auparavant l'appui de l'ONU pour que la Cour internationale de justice donne son avis sur la question, plusieurs pays ont depuis épousé la cause chagossienne. En 2019, la justice internationale se range du côté de Maurice. Le 25 février, la Cour internationale de justice somme le Royaume-Uni de mettre fin à son administration illicite de l'archipel dans les plus brefs délais. Les juges estiment que le Royaume-Uni avait illicitement séparé l'archipel des Chagos de Maurice en 1965. The United Kingdom is continuing the administration of the Chagos archipelago. Constitutes a wrongful act. The United Kingdom is under an obligation to bring an end to its administration of the Chagos archipelago as rapidly as possible. 3 mois plus tard, l'Assemblée générale des Nations Unies fait écho à cette décision de la Cour internationale de justice. Pour l'ONU, le départ exigé des Britanniques de l'archipel relève ni plus ni moins d'une question de décolonisation. Victoire Maurice dans les Nations Unies, pour qui nous complète nos décolonisations, et qui République Maurice regagne nos Chagos, il y a une victoire de chaque Mauricien qui lit dans Maurice, Rodrigue et Agalega. Et si à tout, une victoire pour nos compatriotes chagossiens. Et dans les circonstances, quand nous tous besoin du bout ensemble, comme un seul les peuples. À côté nous bisons, blier nous bande différences, qu'il y politique ou autre, quand il concerne sécurité nos pays, quand il concerne support ban mauricien qui peut faire honneur à nos drapeaux, et quand il concerne prothèse l'intérêt et droit nos républiques. 116 pays membres offrent leur appui à Maurice et demandent au Royaume-Uni de rétrocéder à Maurice les Chagos dans un délai de 6 mois. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, cette année charnière a vu l'inscription du Sega Tambour des Chagos sur la liste de sauvegarde urgente du patrimoine immatériel de l'UNESCO. La communauté chagossienne n'est pas seulement dit ce qu'on dit dans revendication. Il y a des affaires qui toujours tous nous concernant la culture. Parce qu'il nous toujours dire un peuple sans culture, il y a un pays qui peut racine. Nous avons envie de montrer le monde, le peuple là, il peut nazir sa revendication retour de sa gosse là. Il y a sa revendication culturelle. Comment il s'est habitué à miser dans sa gosse. Et moi, je veux dire, ce moment aujourd'hui là, nous pouvons célébrer lui ici dans Maurice. Nous pouvons célébrer lui et après, l'année prochaine, nous pouvons célébrer ça dans sa gosse. Originaire de l'archipel, le Sega Tambour des Chagos est né des suites de l'esclavage et se chante en créole chagossien. Il implique des musiques, des chants et des danses rythmiques avec pour principal instrument le tambour et dont les paroles évoquent la vie quotidienne. Sa sauvegarde est jugée urgente en raison du déplacement des chagossiens et de la disparition des aînés qui engendre une perte de mémoire et menace la viabilité de cette pratique culturelle. Monsieur Sibalok, merci au Père Cordenousse à l'entretien là. Vous êtes conseiller, senior advisor au bureau du Premier ministre, chargé du dossier Chagos. Et ban britannique tiennent jusqu'au 22 novembre pour quitter l'archipel, mais je pas fait. Est-ce que ça est nous? Je finis tout le temps maintenir, et à tort, que they have no doubt about their sovereignty over the Chagos archipelago, qui n'est pas vrai. Après l'indépendance, il n'est plus dans le droit, cela.
Donc, je t'ai continué à dire ça même, comment dire, rayé. Je t'ai enchaîné avec ça statement là. Mais qui fait que, quelque part, nous, tu peux connaître qui je n'ai pas pour aller. Mais ceci dit, ça n'est pas autant, disons, surprenant qu'il est décevant. Il est décevant qu'il y ait une Britannique après que la plus haute instance juridique, judiciaire, internationale, il donne un avis et que l'Assemblée générale des Nations Unies passe une résolution à une majorité écrasante de 116 contre 6. Mais pourquoi, là, il est décevant qu'un pays comment le Royaume-Uni il décide pour y parler. Et aujourd'hui, il y a un occupant illégal. Ah ben évidemment, les Britanniques ont toujours été un occupant illégal depuis le 12 mars 1968. Avant ça, on était une colonie britannique, donc c'était normal, ils étaient là, les occupants coloniaux. Mais à partir du 12 mars 1968, quand nous avons l'indépendance, je tiens à retenir illégalement le Chagos Pouzot pour former une nouvelle colonie qui s'appelle BIOT. Tout délit, il mérite une sanction au niveau international. Comment vous expliquez que les Britanniques font fi justement de sa bonne décision-là et ne quittent pas les Chagos? Est-ce qu'ils ne sont pas capables d'expliquer qu'il y a une sanction qui suive derrière? Bon, et dans une résolution, des fois, surtout du Conseil de sécurité, hein, quand il y a une sanction qui prévoit. C'est un grand débat là, mais il y a moralement, si vous voulez, et également légalement aussi, je disais, mettre en application. Mais des fois, il y a un pays, comme les Britanniques, pas trouvé dans son intérêt, il pas aller. Pour cause des sanctions, mais sanctions, pas pour venir, peut-être éventuellement, capable d'une résolution dans les Nations Unies, pour capable prévoir une sanction contre les Britanniques, s'ils ne veulent pas aller. Mais pour le moment, là, sanctions-là, pour venir de la part du monde. Et ban Britannique, je dois un peu sur les mots. La Cour internationale de justice vient dire clairement que la question des Chagos, les relève à une question de décolonisation, tout simplement. Et les Britanniques, je dois dire que c'était une question territoriale. Ils ont envie de régler l'île de cette manière-là. Mais la Cour a étudié des milliers de pages de documents, y compris des documents qui ne se mettent pas ban Britannique. Et je fais une analyse de cela, je trouve que c'est une question de décolonisation, mais pas une question bilatérale, comme les Britanniques disent, ou territoriale. Parce que les Britanniques, quand ils donnent nous l'indépendance, pas de nous l'indépendance totale. Donc on n'a pas été décolonisé totalement. Donc une partie de notre territoire reste colonisée. Donc je ne sais pas qu'il y a une affaire. C'est pas les. Je connais les Britanniques. Je dis des prix de coups pour mon action qui Maurice une faire. Donc, je n'ai plus connu qui argument je vous servis. En 2019, M. Sibalek a parlé des Chagos, le dossier Chagos. Est-ce qu'il y a une actualité dans le monde ou bien à Maurice qui finit manquer et qui finit retenir l'attention? Moi, ce qui me manque, surtout très récemment, c'est cette petite fille, je l'appelle une petite fille, elle n'a que 16 ans, Greta Thunberg. Si vous avez l'occasion, écoute son allocution aux Nations Unies sur le changement climatique. Vous avez un frisson là. Et donc, c'est un cri du cœur extraordinaire qu'il vient de faire. Et pourquoi, si ban négociateur, ban dirigeant, ban pays, pas gagner le message, mais pas pour gagner jamais. C'est une fille extraordinaire. Quand on dit oh, comme ça, if you fail us, we are not going to forgive you. I shouldn't be standing here. I should have been at school on the other side of the ocean quand j'étais aux Nations Unies. Donc, ce sont des mots forts, ce sont des messages très, très forts. Mais attendons, parce que ce pays, ce monde est si pervers que gueulez autant que vous pouvez, pleurez autant que vous pouvez, mais on n'adorait que pour le son de l'argent. Satya Ved Sibalek, merci, on accorde nous ça l'entretien là. Je vous souhaite une très bonne année. Mais je vous en prie. Et à vous aussi. Le 1er janvier 2019, le Premier ministre s'adresse à la nation dans son traditionnel message télévisé. Il annonce une mesure qualifiée d'historique.
l'éducation supérieure publique sera désormais gratuite. Pravin Jugnauth souhaite préparer la jeune génération pour les 50 ans à venir. Il affirme que cela passe par la formation. La mesure entrera en vigueur dès la rentrée universitaire 2019. Elle s'appliquera aux cours à plein temps comme aux cours à temps partiel. 10 institutions d'éducation supérieure sont concernées. L'État déboursera 1 milliard de roupies annuellement pour financer la décision. Parents et étudiants se réjouissent. Le chef du gouvernement affirme que cette mesure permettra à ceux au bas de l'échelle à aspirer à un avenir meilleur. Du 23 au 25 mars, Rodrigue a vécu sous la menace du cyclone tropical Joanina. L'île est restée en alerte de classe 4 pendant plus de 24 heures. Des rafales frôlant les 200 km par heure ont balayé certains endroits. Après le passage du cyclone, 99% des Rodriguais n'avaient plus d'électricité. 400 personnes avaient dû s'abriter dans des centres de refuge et les vols reliés en pleine corail à Plaisance avaient également connu d'importants délais. Il a fallu plusieurs semaines avant que la vie ne reprenne son train normal sur place. Maurice avait dû dépêcher d'importants moyens pour réaliser les travaux dans les plus brefs délais. Et afin de prévenir les phénomènes météorologiques avec plus de précision, Maurice a aussi mis en service cette année son tout premier radar Doppler. Construit avec la collaboration du Japon, sa construction a nécessité des investissements de 537 millions de roupies. Le nouveau radar fait 5 mètres de diamètre et peut capter une quarantaine de types d'informations dans un rayon de 450 km. Un bijou technologique qui permet désormais à nos météorologues de mieux analyser les nuages. Il est en effet maintenant possible d'analyser leur altitude ou encore le volume de gouttelettes d'eau qu'ils contiennent. 2019, une année sombre en ce qui concerne la violence faite aux femmes. Plusieurs cas de féminicide ont été répertoriés lors de cette année, des cas qui ont choqué le pays tout entier. C'est malheureusement un terme qui est devenu courant dans le paysage mauricien. Féminicide, soit le fait de tuer une femme parce qu'elle est une femme. 8 cas atroces ont été recensés pour cette année 2019. Le 22 août, Mohini Devi Mohoran, 31 ans, disparaît dans des circonstances qui choquent le pays. Assénée de coups, elle est abandonnée, gisant dans une mare de sang par son assaillant. Ce dernier met ensuite le feu au domicile de la sexagénaire. Son bourreau n'est autre que son petit-fils. Le 4 septembre, c'est la région de Sainte-Croix qui est en émoi. Après 16 ans de calvaire, Stéphanie Ménès succombe au coup de son époux violent. Ce dernier se donnera la mort après son forfait. Le couple avait deux enfants, encore adolescents. Le 10 septembre, autre drame familial qui se solde malheureusement en meurtre. Chabniz Mohamed, 35 ans, battu à mort par son époux. Ses enfants, témoins de l'atrocité, iront rapporter le cas à la police, mais les officiers en poste ne répondent pas à l'appel. Le 13 septembre, Joyce Reva, 37 ans, s'éteint elle aussi sous les coups d'un compagnon violent. Ses voisins témoigneront de la scène. Son assaillant était connu de la police. Il s'agit d'un récidiviste arrêté pour d'autres cas de violence. 17 octobre, un fils s'acharne sur sa mère avec la complicité de sa compagne. Bibi Nazma Roman trouve la mort à cause d'une histoire de famille. Elle sera tuée, son corps découpé en morceaux et jeté à la mer. Rodrigue, également touché par ce fléau de féminicide, Chantela Perrine est tuée par son ex-compagnon devant les yeux de ses trois enfants, dont un nourrisson d'à peine un an. Son assaillant, Jean-Maurice Colette, était en liberté conditionnelle. Il avait dans le passé tenté de mettre le feu à la maison de sa victime. Il sera arrêté après une cavale de 90 jours. Autre fin tragique, le 8 novembre dernier, Ganeshwari Buliram s'éteint à seulement 24 ans. Elle succombera elle aussi à la folie meurtrière de celui qui fut un proche. Shirin Omiroudi Zifra, légiste, ancienne ministre et ancienne ombudsperson pour les enfants, se dit préoccupée par la situation. Elle parle d'une éducation à refaire. Bon, ce qui est choquant dans le féminicide, qui est un terme un peu nouveau, employé surtout par les Sud-Américaines, parce qu'en Amérique du Sud, le problème est extrêmement grave. Pareil comme en Espagne, dans tout ce même pays très patriarcal. Côté des hommes, et non, on dirait beaucoup plus de pouvoir que femmes dans la société. Donc moi, il y a interpelle moi parce que ben crime là peut être plus atroce. Même quand pétouiller aussi, pétouiller d'une façon atroce. Et ce qui évidemment nous interpelle nous, c'est qu'il crime toujours et non. Mais quand un dimoun il mort, ou bien il choisir un copain,
nous supposer qui bizin et n'a supposément un peu l'amour, une attirance, peut mettre ensemble, peut faire couple pour le plaisir et non pas pour la mort. Moi penser qui parents qui grandit garçon et petite fille. C'est ben parents qui bizin pas grandis autres de telle manière qui depuis petite enfance, garçon là il est fini, lui même plus fort, lui même capable peut comment dire diriger dans la case. Parfois, il a fait violence contre sa propre famille, etc., etc. Donc là, évidemment, il n'est pas correct. Ça veut dire que les parents, depuis bonnet à même, même si je n'ai pas fait la guerre entre eux, je n'ai pas donné un mauvais exemple, et ça va nos enfants là qui ont grandi, après à l'école. Parents et que l'école. L'école aussi, il n'est pas capable de montrer les enfants, lire, écrire et compter, mais il a montrer les enfants, bonne valeur, il a montrer les enfants, qui veut dire. Les initiatives visant à mettre un terme à la violence faite aux femmes sont nombreuses. Prenant la parole à l'occasion de la Journée mondiale pour l'élimination de la violence faite aux femmes, le Premier ministre annonce la création d'un comité de haute instance pour se pencher sur la question. Nous pouvons travailler, nous pouvons faire progrès, nous République peut avancer, nous pouvons avoir une croissance économique, nous pouvons avoir un développement, mais seulement... Nos sociétés peuvent ronzer par un fléau comme agression contre une madame et nous pas capables de dire qu'il nous finit réussi dans nos missions tant qu'il ça continue. Un homme qui lève la main loin de madame, pour moi, il finit perdu ce statut d'humain. Il finit pareil comme un animal. Quand il n'est plus dans le repère, il n'est plus dans le respect, vous pouvez mettre un comité de haut niveau sous l'égide de mon bureau pour nous capables de continuer, réfléchir, identifier la source du problème et qu'on puisse revoir nos stratégies, le protocole bien défini. Nous devons veiller à ce qu'il y ait du monde qui est dans une position. Côté dans une responsabilité, je bien assume votre responsabilité comme un bien. Et puis il y a aussi l'Union européenne et sa campagne Rise and Shine. Shirin Omiroudi Zifra fait partie des ambassadeurs de l'initiative. En novembre dernier, elle était parmi les Mauriciens qui ont marché en solidarité et en mémoire des femmes victimes de violences. Le 7 novembre, les Mauriciens élisent une nouvelle Assemblée nationale. Un peu plus de 941 000 électeurs sont attendus aux urnes. Les élections se tiennent un mois après la dissolution du Parlement. 817 candidats prétendent au poste de député. Un mois pour convaincre les électeurs, les plus gros mouvements politiques mènent campagne tambour battant. La commission électorale ne perd pas une seconde. L'organisation des élections dans un délai de 30 jours est une véritable course contre la montre. Le défi est relevé. Le jour du scrutin, un peu plus de 740 000 électeurs se rendent dans les bureaux de vote pour choisir leurs représentants à l'Assemblée nationale. L'équipe sortante dirigée par le MSM est reconduite au pouvoir avec au décompte final 42 sièges au Parlement. Le Premier ministre Pravin Jugnauth nomme un cabinet de ministres alliant expérience et sang neuf. Un cabinet avec de nouvelles attributions ministérielles telles le changement climatique, le patrimoine culturel ou encore le bien-être. Le Premier ministre prône la continuité du travail démarré lors du premier quinquennat du gouvernement MSM. Trois premières mesures sont concrétisées. L'augmentation des prestations sociales, dont la pension des retraités. Ceux âgés de 60 à 89 ans touchent désormais 9 000 roupies. Le salaire minimum passe à 10 200 roupies. Et pour compenser la perte du pouvoir d'achat, la compensation salariale est fixée à 300 roupies. Le calendrier politique de cette année 2019 est clôturé avec la désignation du président de la République. Le choix est porté sur Prithviraj Roopen. Eddy Boissaison devient vice-président de la République.
Linda Rivière, bonjour, merci de nous accorder cet entretien. Vous êtes analyste politique, ancien responsable de presse. Un peu plus de 700 000 Mauriciens se sont exprimés pour ces élections. De nombreux d'entre eux ont participé à la campagne, le Shouting Brigade, comme on dit. Et il y a bon nombre qui n'a pas participé, qui ne s'est pas manifesté, mais qui a voté quand même. Qu'est-ce que cela nous apprend sur le comportement électoral des Mauriciens en 2019? Je crois qu'il faut d'abord noter la maturité croissante de l'électorat mauricien. Cela fait maintenant 50 ans qu'on organise des élections depuis l'indépendance et depuis 1886, nous avons une très longue tradition démocratique. Ce que nous constatons, c'est que de plus en plus, nous atteignons maintenant un niveau de professionnalisme dans l'organisation, la coordination de ces élections et aussi dans l'action des différents partis pour convaincre la population mauricienne. Je crois que l'électorat est lui-même de plus en plus sophistiqué. Il s'intéresse très certainement aux enjeux, même si parfois on note que le taux de participation électorale baisse un peu, mais il remonte à la prochaine élection. Il y a un intérêt très vif, il y a un intérêt pour tous les grands enjeux nationaux, et les élections se passent dans le calme, dans une grande sérénité et dans un grand professionnalisme, à part quelques petits incidents insignifiants. Prise dans sa globalité, l'action de la commission électorale a été quand même assez remarquable en termes de coordination et de mise en place de tout cet exercice, même s'il y a eu quelques couacs et qui ont d'ailleurs donné lieu à des contestations et à des protestations qui vont être réglées en cours dans les prochaines semaines et sur lesquelles le judiciaire va se prononcer. C'est un petit peu dommage puisque ça a jeté un peu un voile sur le mécanisme même électoral et un peu sur la commission. Mais je suis sûr que tout cela va trouver des explications dans les mois à venir. Ceux qui ne se mobilisent pas, mais qui vont voter quand même le jour des élections, est-ce une forme de démobilisation des électeurs qu'on est en train de vivre en ce moment à Maurice? Pas du tout, je crois qu'il y a là un changement de comportement électoral. Les gens ne croient plus en la nécessité d'aller au meeting, de courir derrière les voitures des leaders ou d'exprimer de manière très bruyante leur soutien. Les Mauriciens sont aujourd'hui plus discrets, en même temps plus intelligents. Je crois qu'ils intériorisent les enjeux, ils en discutent, ils réfléchissent, mais ils n'affichent pas leur loyauté politique comme autrefois. Nous sommes passés de 40% d'indécis à 53% d'indécis au dernier sondage. Je ne crois pas qu'ils soient indécis, je crois que tout simplement, ils voient le droit à voter comme ils l'entendent, comme un droit sacré, qui ne mérite pas d'être discuté sur la place publique. Et il y a donc une nouvelle manière aujourd'hui d'être électeur et de rester près de la politique mauricienne. Beaucoup a été dit sur le rôle des médias. Est-ce qu'ils ont aidé à influencer directement le comportement électoral ou ont renforcé un choix qui était déjà fait? Le centre d'influence de la presse s'est déplacé. La presse écrite a aujourd'hui bien moins d'impact sur la vie politique et sur la vie électorale du pays. Ce centre s'est déplacé aujourd'hui vers les réseaux sociaux, vers les radios privées. Et donc, il est difficile aujourd'hui de retracer l'influence de la presse écrite sur le processus électoral. Les réseaux sociaux, par contre, ont eu une influence considérable. Et il faut se rappeler toujours qu'il y a à Maurice près de 700 000 comptes Facebook, 700 000 pour une population de 1,2 million. Et c'est là aujourd'hui que se situe l'influence décisive des médias. Et tous ceux qui veulent faire de la politique ou suivre l'action politique doivent donc aujourd'hui intégrer ces réseaux sociaux dans leur planning, dans leur réflexion et dans le temps de l'observation. La préélection Linda Rivière nécessite toujours une réconciliation citoyenne. Est-ce qu'elle a eu lieu déjà? Absolument, comme depuis plusieurs élections. Vous savez, nous n'en sommes plus au temps où les élections donnaient lieu à des tensions entre voisins ou entre membres d'une même famille. Tout cela est derrière nous. Je crois que chacun à Maurice réalise aujourd'hui que l'autre a droit à son respect,
a droit à son opinion et que nous sommes condamnés à l'île Maurice à vivre en bonne amitié, en bonne harmonie, en bon voisinage, quelles que soient les opinions de chacun. Je crois que nous avons atteint aujourd'hui une grande maturité où nous nous respectons beaucoup plus les uns les autres. Nous gérons bien nos différences, nous respectons le choix, et c'est très bien ainsi, et j'espère que ça va continuer. Et d'où d'ailleurs, 48 heures après l'élection, ce grand calme qui a régné à l'île Maurice, et ce qui est un exemple probablement pour l'Afrique. Pour ces élections, on a beaucoup misé sur la jeunesse, le Parlement se rajeunit. Et qu'est-ce qu'on peut penser de cette nouvelle génération de parlementaires? Je suis heureux de voir que malgré tout ce qu'on dit, on dit que la jeunesse est désabusée, ne s'intéresse plus à la politique, etc. Je n'en crois rien du tout. Je crois qu'elle s'intéresse, mais autrement. Je crois qu'elle a ses idées sur les choses. Nous changeons d'époque. Elle souhaiterait, cette jeunesse, voir ses idées davantage discutées au pouvoir. Et je crois que la jeunesse a eu un impact considérable sur ce choix électoral. Et il faut saluer, au contraire, cet involvement de la jeunesse, et surtout sur les réseaux sociaux. Et en même temps, vous avez raison, la classe politique se rajeunit. Nous avons réalisé qu'on a aujourd'hui 5 ministres sur 25 qui ont moins de 40 ans, 4 PPS qui ont moins de 40 ans. Et la plupart des élus ont maintenant entre 40 et 50 ans. Tout cela est très bien et augure d'une classe politique plus moderne, plus ouverte au monde, plus intelligente. Je crois que ce Parlement est probablement, et je le dis très sincèrement, ce Parlement est probablement le Parlement le plus intelligent qu'on aura observé depuis très longtemps. Je vois là beaucoup de bonne volonté, beaucoup de jeunes qui ont fait d'excellentes études, qui appréhendent bien les enjeux nationaux et internationaux. Je vois là un renouvellement de la classe politique. C'est intéressant, parce qu'il y a non seulement ces ministres et PPS dont nous parlons, mais il y a tous les backbenchers, vous voyez, les Fabrice David, les Johanna Béranger, tous les autres jeunes qui se sont fait élire. Et tout cela va provoquer une nouvelle culture politique. Et j'espère que ce mouvement s'accentuera, puisque nous sommes clairement à la fin d'une époque. Nous sommes dans un monde nouveau, avec des enjeux nouveaux, qui requièrent des compétences nouvelles et un esprit nouveau. Et j'espère que l'île Maurice franchira ce pas. Là, nous entrons dans les années 20. J'espère que nous franchirons ce pas avec tout ce renouvellement de la classe politique. On termine 2019, Lindsay Rivière. Est-ce qu'il y a un événement autre que les élections, bien sûr, une autre actualité qui a retenu votre attention pendant cette année? Moi, ce qui m'a vraiment frappé cette année-ci, c'est sur le plan international, pas local, c'est cette prise de conscience des enjeux climatiques. Ça, c'est quelque chose de fondamental qui va porter le débat public pendant les années 20. Il y a là une espèce de révolution culturelle. Le monde prend conscience que la planète est en danger. L'environnement est au premier plan des préoccupations publiques, locales et internationales. Et je vois là le début d'une grande vague qui va probablement changer le monde dans lequel nous vivons dans les années 10. Un événement culturel que vous avez suivi particulièrement? Pas vraiment cette année-ci. Une chanson que vous avez écoutée peut-être? Oui, une chanson que j'ai beaucoup aimée cette année-ci et qui va dans le fil de ce que je viens de vous dire. C'est One Moment in Time, une chanson que j'ai un peu découverte par Dana Wiener, qui est une chanteuse belge qui a beaucoup de succès en Allemagne et en Hollande. C'est une magnifique chanson qui invite les jeunes à aller là encore jusqu'au bout de leurs rêves. Lindsay Rivière, merci pour cet entretien. Je vous souhaite une très bonne année. Merci, je vous en prie. I've lived to be the very best, and I want
counting on. No time for less. I've laid my plans. Now laid a chance here in my hands. Give me one moment in time when I'm more. Dans 78 attentats au 9 décembre dernier, l'Afghanistan arrive en tête de ce triste classement avec au moins un attentat par semaine. Plus près de nous, l'Afrique est de plus en plus ciblée. Il y a eu le Burkina Faso, il y a eu le Nigeria, il y a aussi eu la Nouvelle-Zélande de l'autre côté de chez nous. Nous irons également en France où le mouvement des Gilets jaunes perdure, un mouvement qui est venu changer la contestation syndicale. Et puis en Grande-Bretagne, c'est le Brexit qui retient toujours l'attention. Le divorce annoncé entre l'Angleterre et l'Union européenne devrait s'accélérer, surtout avec la réélection de Boris Johnson comme Premier ministre. Une décennie où les enjeux n'ont pas beaucoup changé de visage. En 2010, on parlait encore très souvent de catastrophes naturelles, de réfugiés, de foot et aussi des aléas du climat. 2019 clôture une décennie parmi les plus chaudes sur Terre. Le réchauffement climatique reste dans le top 5 des actualités brûlantes. La quantité de gaz carbonique dans l'atmosphère continue d'augmenter. De nouveaux records sont tombés en 2019. Au mois de mai, la planète a enregistré une concentration record de 415 ppm. L'on s'approche dangereusement des 450 ppm, c'est la limite. Dépasser ce seuil, il sera impossible de contenir la hausse du réchauffement climatique à un niveau inférieur à 2 degrés. Ce chiffre donne froid dans le dos. 46,2 degrés, c'est la température record ressentie en France pendant cet été 2019. Les cyclones Idai et Kenneth frappent le Mozambique à un mois d'intervalle. Des milliers de personnes sont touchées au Mozambique, au Zimbabwe et au Malawi. 700 millions de dollars sont nécessaires selon la Banque mondiale pour la reconstruction post-cyclone dans les régions affectées. Autre signal d'alerte, les feux de forêt en Amazonie. C'est un levier indispensable de la lutte contre le changement climatique qui est réduit en cendres. La forêt récupère l'eau de pluie, lui permet de s'évaporer et créer des nuages pour encore de pluie. Donc moins d'arbres, moins de pluie. La plus grande forêt tropicale du monde joue un rôle capital dans le stockage naturel du carbone. Avec ses milliers d'hectares qui brûlent, le dioxyde de carbone qu'ils contiennent atterrissent dans l'atmosphère et contribuent dangereusement au réchauffement de la planète. Tempêtes, canicules, inondations et incendies, ces événements extrêmes sont les résultats de l'augmentation de la température des océans et de l'atmosphère. Les changements climatiques se font ressentir partout dans le monde. Ils ont des conséquences sur les vies des populations, les espèces vivantes, perturbent les économies et coûtent cher. Antish Matabadal, merci. Vous pouvez répondre à nos bonnes questions. Ou un étudiant en droit à l'Université de Maurice, aussi très engagé au niveau de l'environnement et du climat. Quelle bonne action qui vous a mené en tant qu'un jeune, qui vous a mené dans ce domaine-là jusqu'à présent? Bonne action qui me prend, qui mon engagement dans la guerre là, parce qu'il y a une remarque qui climate change, changement climatique, réchauffement climatique, il vient de la guerre contre l'humanité. Et qui fait mon engagement là-dedans, il y a une remarque qui est dans beaucoup de facteurs qui peut tuer l'humanité. Moi, étudiant, moi, jeune qui est bien content de la nature, moi, bien content de faire hiking. Je fais beaucoup de hiking, je découvre beaucoup de places dans Maurice que je n'ai pas réussi à découvrir. D'ailleurs, moi, dans une équipe qui est formée dans Red Cross, pour la Croix-Rouge de Maurice, que
nous faisons man jeune qui, on ne pas si jeune, mais une unité d'élite que quand on a une catastrophe naturelle, nous déployer. Cette année-là, nous trouvons beaucoup de jeunes mobilisés pour le climat. Il y a la grève scolaire qui fait lead pour Greta Thunberg, une jeune activiste. Est-ce que ce message peut gagner l'effet qui visait? Définitivement, ça jeune de 4 ans. Quand il commençait, il était en 13 ans quand il commençait. Il commençait, il était avec son camarade. Finalement, en 2018, il avait 14 ans. Il dit comment il commençait la grève. J'ai eu l'occasion de causer avec lui, j'ai eu l'occasion de connaître un peu sur ma vision. Et finalement, le jour où il était dans le Youth Climate Change, il y a 300 000 jeunes, juste dans New York, 300 000 jeunes, ils descendent le chemin pour dire. C'est pour dire qu'au fait, ça, un Youth Climate Change, ça, c'est un calling planétaire, ça côté une invoque tout un jeune activiste, un guerrier qui vraiment. Au fait, un jeune, quand il est dans la guerre, il n'y a pas rien. Mais il prend conscience que ce planète, dans une planète, il prend conscience qu'il. Il n'y a aucune place pour aller là. Si nous, génération, nous pas la guerre pour. Oui, il y a la guerre pour l'avenir. Définitivement. L'avenir et le futur. Si nous, génération, pas la guerre, ça va nous finir. C'est moi, je disais, là, ça, la guerre, c'est une dernière guerre mondiale que nous parlons perdu. Parmi les solutions qui mettent sur la table, il y a la technologie verte, les énergies renouvelables, l'agriculture raisonnée. Est-ce que le simple citoyen il comprend ça va le message là facilement? Ben là, personnellement, je ne comprends pas. Et nous avons fait, par exemple, la Croix-Rouge peut monter un projet qui s'appelle l'étoile de la résilience. C'est un outil qui nous peut servir dans la communauté. C'est nous peut faire toute une communauté vivre résiliente à travers, par rapport à 6 caractéristiques de la résilience. Par exemple, il y a une ressource naturelle, et dans la santé, et dans la cohésion sociale. Qui fait nous dire ça? Parce que nous remarquons qu'il y a différentes sociétés, différentes communautés, et dans chacun a ce problème où une communauté est capable vulnérable à un aléa comme un cyclone ou vulnérable à un aléa comme inondation, sécheresse, mais différentes communautés sont adaptées pour différentes manières. Et par exemple, c'est qui fait nous parler man système d'alerte précoce. Il y a beaucoup de réparations qui nous ont fait de la communauté là même. Donc, parce qu'ils nous ont dit, nous avons une place, nous avons dit, vous prenez, vous avez besoin de faire ça, vous avez besoin de faire ça. Du monde ne peut pas accepter ça, mes autres. Parce que, au fait, si vous ne pas éduquer du monde, ou pas donner une éducation, ou pas sensibiliser du monde, vous ne pouvez pas comprendre ça. Antich Matabadal, merci. On accorde nous à l'entretien là. Je vous souhaite une très bonne année. En Grande-Bretagne, c'est encore une fois le Brexit qui retient l'attention. Ce divorce annoncé entre l'Angleterre et l'Union européenne a toujours du mal à se concrétiser, chamboulant tout le paysage politique, mais aussi citoyen dans ce pays. En Grande-Bretagne, c'est le Brexit qui continue à faire des vagues. 4 ans après le oui britannique pour quitter l'Union européenne, les Anglais peinent toujours à trouver les modalités de ce divorce. Elle a coûté sa place à la Première ministre Theresa May. Elle sera éventuellement remplacée par Boris Johnson, qui s'attelle toujours à la mission de permettre cette sortie en toute douceur. L'organisation ouvrière de l'Angleterre, je n'ai pas trop content de ce système que l'Union européenne impose aux autres. Parce que dans l'Union européenne, elle-même, il y a une discrimination structurelle. Par exemple, si vous avez un médecin qui sort de Tunisie à travailler en France, ce salaire plus bas qui est un médecin moins qualifié qu'il dit, qui sortit dans l'Union européenne. Et ça, c'est une discrimination structurée de par une exigence de l'Union européenne. Brexit lui-même, il est capable aussi de venir un sens pour nous. Le fait que l'Angleterre prend des hauts l'Union européenne, il prend l'intérêt et il a un arco bilatéral pour que l'économie fonctionne. Donc, non, on n'est pas pour empêcher, dit, mais il a un arco avec un pays Commonwealth. Parce qu'ils nous font partie ensemble. Brexit n'est plus là, mais le Commonwealth toujours là, capable de profiter des deux côtés. Autre victime collatérale de ce bras de fer entre partisans du Brexit et ceux contre, l'excentrique speaker du Parlement britannique, John Bercow. Un personnage haut en couleur, avec, semble-t-il, une réticence affichée à quitter l'Union européenne. My ruling is therefore that the motion will not be debated today, as it would be repetitive and disorderly to do so. Mrs. Theresa May.
Alors que des milliers de Britanniques demandent toujours un deuxième référendum pour savoir si oui ou non le pays devrait quitter l'UE, Boris Johnson se montre lui plus déterminé que jamais. Quoi qu'il arrive, le Premier ministre fraîchement réélu ne cesse de marteler qu'au 31 janvier 2020, la Grande-Bretagne ne fera plus partie de l'Union européenne. To change this country for the better and to unleash the potential of the entire people of this country. And that is what we will now do. Une bombe vient de ravager cette église. Le 15 mars 2019, un Australien de 28 ans ouvre le feu pendant la prière du vendredi dans deux mosquées de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, la plus grande ville de ce pays de 5 millions d'habitants. Il diffuse son action en direct sur Facebook. L'attaque fait 51 morts âgés de 3 à 77 ans. La première ministre Jacinda Ardern qualifie ce carnage de terrorisme. Brendan Tarrant, qui plaide non coupable, est inculpé de 92 chefs d'accusation, dont 51 de meurtre, 40 de tentatives de meurtre et 1 de terrorisme. Shafiq Osman, merci de nous accorder cet entretien d'aussi loin. À chaque rétrospective, nous ne pouvons omettre, malheureusement, une séquence sur les attentats qui ont touché le monde, différentes parties du monde. Est-ce que cela veut dire qu'aucun pays n'est à l'abri? Oui, je crois qu'il n'y a aucun pays qui est à l'abri. Je dis cela depuis plusieurs années. C'est un phénomène effectivement mondialisé, comme on appelle, parce que le propre même du terrorisme, j'ai eu l'occasion de le dire à Maurice à plusieurs occasions, c'est de frapper là où on ne s'attend pas par rapport à la guerre, qui elle est officielle et déclarée, on sait exactement où ça se passe. Un mois plus tard, c'est le Sri Lanka qui pleure ses morts. Le dimanche de Pâques, une série d'explosions vise 3 églises ainsi que 3 hôtels de luxe simultanément. Le bilan est lourd, plus de 250 morts. Ce dimanche noir est revendiqué par l'organisation de l'État islamique. Les premiers éléments de l'enquête montrent que ces attaques auraient été commises en représailles aux attentats contre les mosquées de Christchurch et en lien avec un groupe islamiste indien peu connu. Les attaques, par exemple, contre les Rohingyas, contre la minorité, contre X ou Y minorité dans différents pays, ce n'est pas forcément parce qu'ils ont une haine au départ de telle religion ou de telle communauté qui le font, non. C'est-à-dire qu'il y a des visées politiques, il y a des agendas plutôt politiques qui poussent des gens, qui instrumentalisent des gens, des groupes, pour mener X ou Y attaque ou X ou Y campagne. Et c'est pour ça que je dis que la sauce est toujours une sauce politique, quoique je ne discute pas. Il y a des groupes, il y a des gens qui ont une haine religieuse et rien de politique, et c'est une minorité. Vous avez la question de religion, la question de l'ethnicité, ce sont des sujets très sensibles. Mm-hmm. Les gens qui viennent très sensibles à cela, ils adhèrent très facilement à ces discours parce que ça fait partie de leur foi ou ça fait partie de leur corps intérieur. Les actions, ce sont des agendas qui sont bien réfléchis, bien pensés et souvent mettent en place des stratégies très détaillées. 178 attentats au 9 décembre dernier à travers tous les continents. Dans le même temps, les conflits officiels se poursuivent. Israël, la Syrie, le Yémen, la Colombie. Des bouleversements qui ne sont pas sans conséquences sur les populations. Évidemment, ça bouleverse tout l'écosystème, si je peux dire, de la planète. Quand je fais un recensement pour 2019, au niveau des pays qui ont été touchés par les attaques, je ne parle pas des guerres. Ça bouleverse l'écosystème du monde parce que les gens sont traumatisés, les gens sont terrorisés, les gens ont peur, des fois les gens évitent d'aller dans ces endroits, les gens stigmatisent aussi des populations qui sont similaires à ceux qui ont commis ces attentats. Donc il y a des pays qui s'en sortent, comme la Nouvelle-Zélande, qui refait une santé, le Sri Lanka plus difficilement. Il y a des conséquences évidemment sur les colonies, sur le tourisme, enfin, sur plein de choses. Si on prend par exemple le Nigeria,
qui aujourd'hui voudrait aller au Nigeria et qui n'a pas peur des attentats, etc., parce que d'année en année, ça continue. Il y a toujours ce facteur politique, il y a toujours ce fil conducteur, ce point commun. 2020 sera-t-elle moins meurtrière que 2019 ? La réponse est nuancée. Il n'y a aucune indication, malheureusement. Il n'y a aucune indication, non seulement pour 2020, mais pour les années à venir. Je ne veux pas dessiner quelque chose de trop pessimiste, mais il n'y a aucune indication que ça va aller en s'améliorant. Les Nations Unies soient beaucoup plus punchy, comme on dit. Ces images nous ont choqués une nouvelle fois en 2019. Des milliers de personnes abandonnant leur pays, fuyant des situations de crise, telles les guerres, les violences et les persécutions. 91 500 personnes, dont plus d'un quart sont des enfants, sont arrivées en Europe par la Méditerranée cette année, souvent au péril de leur vie. La traversée se fait dans des embarcations bondées et fragiles. Un millier de personnes y ont laissé leur vie. Lorsqu'ils n'arrivent pas par la mer, c'est à pied ou dans des convois clandestins que les migrants ou réfugiés traversent les frontières. On a en tête, en cette fin d'année, cette colonne humaine fuyant le Honduras, l'un des pays les plus pauvres au monde, et se dirigeant vers les États-Unis. Autre image désolante, des migrants vietnamiens retrouvés morts dans un camion au Royaume-Uni. Les 39 corps étaient entassés dans le conteneur du véhicule. Les déplacements forcés à travers les frontières internationales continuent d'augmenter. Ils ont lieu sur tous les continents. Jean-Luc Moutoussami, bonjour, merci de nous accorder cet entretien. Vous êtes journaliste et aussi directeur en Suisse d'un cabinet qui s'appelle Média Expertise. Vous avez beaucoup travaillé en Afrique, notamment sur la question de la migration dans le monde. Est-ce une crise migratoire qu'on est en train de vivre en ce moment dans le monde ? Ça dépend où on se place, Selvina. Ça dépend qui en parle et qui regarde ce qu'on appelle crise. Ce qui est évident, c'est qu'il y a une plus grande masse, il y a un plus grand afflux de migrants depuis, je dirais, 2014, 2015, 2016 un peu moins, la tendance commence à baisser. Crise, ça dépend des sociétés qui utilisent ce terme et qui voient plutôt les migrants arriver. Moi, je dirais qu'il y a une augmentation. La crise, elle serait plutôt dans la gestion de la question migratoire. Et la crise, elle vient aussi de ceux qui ont peur de l'étranger, de ce qui vient de l'étranger, de ce qu'ils ne connaissent pas. Même à notre niveau familial, quand on voit un futur gendre ou une future belle-fille qui vient, c'est l'inconnu. Alors on a toujours peur de l'inconnu. C'est un peu de là que naissent les crises. Qu'est-ce qui pousse autant de personnes à fuir leur pays d'origine ? La guerre, les crises, la famine, l'économie qui s'écroule, les dictatures, mais aussi les avenirs bouchés, parce que ceux qui partent, ce sont en grande majorité des jeunes qui ne trouvent pas leur bonheur ou qui ne trouvent pas d'emploi chez eux et qui sont prêts à risquer les mers, risquer les guerres, risquer leur vie et aussi celle de leur famille pour pouvoir obtenir un avenir meilleur. Et il y a toujours l'image de l'Eldorado qui est à l'étranger, parce que chez nous, il n'y a rien, il ne peut y avoir de développement, donc on essaye, on tente le tout pour partir. Et depuis que c'est possible de franchir la Méditerranée, avant il y avait la Libye et la Tunisie qui étaient tenues, je dirais, j'utilise ce terme, par d'une part Muammar Kadhafi en Libye et Ben Ali en Tunisie, cet afflux, cette masse migratoire ne pouvait pas passer. D'ailleurs, le président Kadhafi, en son temps, disait que menacer l'Europe d'ouvrir les vannes des migrants. Et bien maintenant qu'il n'y a plus cette possibilité ou cette impossibilité de franchir la Méditerranée, parce que ce sont ces images-là qu'on reçoit chez nous, et bien c'est ce qui fait que c'est perçu comme une crise parce qu'il y a une grande masse de personnes qui arrivent. Et cette crise migratoire, si on peut appeler ça une crise en ce moment, elle découle, je dirais, d'une politique étrangère qui a failli quelque part. Oui, je dirais aussi du vivre ensemble ou de la capacité, je dirais, avant d'arriver aux politiques, notre capacité à nous, citoyens, d'être ouverts aux autres, d'être capable d'accepter l'autre dans sa différence.
on se complaît très souvent et c'est normal, hein, ce n'est pas pour jeter la pierre à qui que ce soit, à sa manière de vivre, sa manière d'être. Et lorsqu'on voit l'autre arriver, on s'imagine immédiatement qu'il va imposer, qu'il va nous imposer son style de vie, nous imposer sa religion, nous imposer sa manière de concevoir le monde et changer, nous obliger à changer pour être comme lui ou comme elle. Forcément, là, ça pose un problème. Après, il y a la politique. La plupart, je dirais, des politiques, des hommes politiques ou des systèmes politiques que je connais en Afrique de l'Ouest, par exemple, où j'ai travaillé sur la question migratoire, ils vont tous dans le même business model, je me permets d'utiliser ce terme, et ça vaut aussi pour Maurice. Dès qu'on apporte quelque chose de nouveau ou, je dirais, un facteur qui change et qui peut changer énormément de choses, ça désoriente aussi le politique qui, lui, veut rassurer son électorat pour être élu. Et pour rassurer son électorat, eh bien, il va dans le sens de ce que son électorat veut. D'une part, il y a le devoir d'hospitalité de ces pays d'accueil, mais d'autre part, le système de ces pays, le système politique, le système social, la structure sociale de ces pays est menacée par l'arrivée de tant de personnes. Comment réconcilier les deux ? Alors, vous utilisez le terme menace, je dirais plutôt, pas pour être politiquement correct, mais je dirais que ça challenge tous les systèmes. Parce qu'évidemment, on voit arriver un grand nombre de personnes, mais voilà, comparé aux populations, moi je vis en Suisse, et quand on compare à la population suisse, qui est une population qui vieillit, qui est une population qui aura besoin à un certain moment de jeunes pour payer les retraites, c'est aussi une question qu'on doit se poser. Est-ce qu'il ne faut pas du sang neuf, quelque part ? Et ça nous challenge aussi dans notre quotidien. Je dirais que ça nous challenge, nous, journalistes, dans notre manière de montrer le monde, parce qu'on est un peu, parce que les choses vont vite, on va aussi dans, on va dire entre guillemets, dans la facilité, on suit les choses et on se retrouve en train de répéter des choses comme une peur qu'on véhicule aussi dans notre manière de montrer les choses. Je dirais que ça nous challenge dans notre manière de faire du journalisme, de faire dans les médias, et ça challenge notre humanité, parce que je crois qu'aujourd'hui, la manière dont nous, humains, nous allons voir l'autre, nous allons accueillir l'autre, sera déterminant pour le futur. Et si je peux aussi utiliser une autre image, c'est qu'aujourd'hui, nous, on va prendre l'image de Maurice, voilà, on est au Codan, il n'y a que des choses qui marchent là autour de nous. Mais essayons d'imaginer que le changement climatique, parce que c'est un autre élément que je n'ai pas cité tout à l'heure, que le changement climatique force, pas forcément vos enfants, mais vos petits-enfants ou vos arrière-petits-enfants. Si aujourd'hui on me dit, où on vous dit que votre arrière-petite-fille devra monter dans 40, 50 ans sur une barque depuis Port-Louis et aller gagner la vie dans un autre pays qui ne l'accueillera peut-être pas, qui la renverra ou qui le renverra peut-être sur sa barque en lui disant « Allez, on n'a pas besoin de vous, on ne veut pas de vous ». Si aujourd'hui on pense déjà à ça, peut-être que notre regard changera sur celui, le Syrien, qui avant-hier vivait, son père était médecin, vivait très bien, et qui aujourd'hui a dû tout quitter, et qui n'imaginait pas qu'aujourd'hui il devrait prendre la route. Donc si nous nous projetons en imaginant nos enfants, ou nos neveux, ou même nos arrière-petits-enfants, peut-être que notre regard sur les migrations et sur les politiques migratoires, ou notre regard comme journaliste, sera quelque part modifié. Alors, vous avez beaucoup suivi des journalistes qui ont travaillé sur la question de la migration dans le monde avec l'Organisation internationale pour la migration. Quelle est la difficulté que peut rencontrer un journaliste qui suit un dossier sur la migration ? Alors déjà, il vit dans la communauté, donc il a un cousin, il a un frère, il a une sœur, il a un parent ou lui-même envie de migrer parce que lui-même subit les problèmes du pays. J'étais au Sénégal, à Dakar et ensuite à Kolda, qui est le lieu où la plus grande masse de jeunes partent et prennent le bus. Et lorsque je discutais avec ces jeunes, ils me disaient « mais il n'y a rien ici ». Et j'ai discuté avec un grand-père qui disait « mais à l'époque, il y a encore 30 ans, c'était flamboyant ici. Nous ne pensions pas que nos petits-enfants, que nos neveux, nièces partiraient ». Et ça rejoint un peu ce que je vous disais par rapport à nous-mêmes, hein, notre manière de voir. Donc, les journalistes sont confrontés à cette réalité. Aussi, ils n'ont pas d'éléments, ils n'ont pas de faits, ils n'ont pas de chiffres, ils n'ont pas d'éléments. Alors, ils écoutent souvent les médias internationaux, ils écoutent RFI, par exemple, pour parler d'eux-mêmes. Et ça, c'est un autre problème. Après,
ils se retrouvent confrontés à une réalité, c'est que parfois ils ont un proche qui est parti, qui a échoué, qui est mort, et ils ne savent pas eux-mêmes trop comment en parler. Donc l'idée, l'approche que j'ai eue, c'était de leur dire, racontons l'histoire de ces migrants, ceux qui ont réussi, ceux qui ont échoué, ceux qui veulent partir, racontons leur histoire, laissons-les témoigner, et ça nous permet à nous ensuite de donner des clés à nos auditeurs, à nos lecteurs, pour qu'ils puissent prendre une décision. L'OIM, l'Organisation pour les Migrations, vous l'avez cité, qui m'avait donné un mandat pour faire ce travail, ne dit pas aux gens partez ou ne partez pas. L'OIM leur dit voilà, c'est une migration régulière que nous encourageons, pas la migration irrégulière, ce qui est une nuance avec l'illégal. Et voilà la réalité. Si vous voulez prendre la route d'Agadez, donc pour aller jusqu'en Libye en traversant le Niger, voilà, il y a des morts, il y a une route de mort en fait, une route de cadavres. Est-ce que vous voulez prendre cette route? Certains diront oui, parce que c'est pire chez nous. Donc les journalistes aident les autres à témoigner. D'accord. Jean-Luc, je vais vous demander, en 2019, est-ce qu'il y a une actualité particulière, autre que la migration dans le monde, qui a retenu votre attention? Alors je dirais la visite du pape, parce que je faisais partie avec votre consoeur Valérie Cali et Martine Théodore Lajoie de la vie catholique du vol papal pour Radio One et Media Expertise. Mais de ce vol, ce que je retiens surtout, c'est la question que j'ai pu poser au pape. Bon, il y avait ce qui s'est passé ici, c'était extraordinaire, au Mozambique et à Madagascar également. Mais le fait qu'il m'ait répondu sur les Chagos, mais aussi qu'il ait pris le temps, juste après, de me parler de sa vision de Maurice. Et il m'a regardé en me disant, en parlant de la coexistence entre religions, entre religieux, entre personnes de différentes communautés, il m'a dit « c'est un signe de maturité de ton pays ». Et quand il m'a dit ça, j'ai bien compris qu'il ne s'adressait pas qu'à moi, mais il s'adressait à tous les Mauriciens, c'était quelque chose de très très fort d'entendre de ce pape-là, qui est un pape extraordinaire, un jésuite, mais qui fait attention à chaque mot qu'il pose, d'entendre de sa bouche que c'est un signe de maturité de mon pays, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et puis, de voir le visage des Mauriciens, par exemple, à Marie-Reine de la Paix, ou à Sainte-Croix, où j'ai pu aller, c'était très très fort. C'était une visite qui m'a beaucoup pris aux tripes, et c'était difficile de faire des directs parfois, parce qu'on était pris par l'émotion. Et un événement culturel, Jean-Luc, qui a retenu votre attention? Je vais peut-être parler d'une chanson, mais qui n'est pas très connue ici à Maurice, et peut-être même pas connue en Suisse d'où je viens, parce que chez moi, la programmation musicale, c'est ma fille qui l'a fait, et en voiture, forcément, elle saisit le téléphone pour faire sa programmation. Son enseignant de musique, qui s'appelle Monsieur Morel, Pierre Morel est membre d'un groupe qui s'appelle Cassandre, et c'est un fou de littérature et aussi de mythologie. Alors je vais en venir à la chanson. Il a réussi, ce monsieur, dans une de ses chansons, à prendre un poème de Joachim du Bellay, « Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage ». Alors entendre ma fille chanter en alexandrin dans la voiture, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je me dis que ça rejoint aussi un besoin pour l'éducation, c'est qu'on trouve les chemins pour intéresser des jeunes. Et c'est cette chanson qui me revient. Jean-Luc, merci de nous avoir accordé cet entretien. Je vous souhaite une très bonne année. Bonne année à vous et à tous ceux qui regardent cette émission. En France et sur l'ensemble du territoire français, le mouvement des Gilets jaunes perdure, un mouvement qui est venu changer la contestation syndicale. Tout commence en novembre 2018 avec un simple appel à la mobilisation sur les réseaux sociaux. Les Français boudent la cherté de la vie et l'annonce d'une prochaine majoration des prix des carburants sera la goutte d'eau qui fera déborder le vase. On veut toujours se battre pour notre pouvoir d'achat, pour qu'on arrête de nous taxer.
Dès lors, les mobilisations vont se multiplier à travers le territoire français et même chez nos voisins réunionnais. Le début de l'année 2019 sera marqué par une série de manifestations et mobilisations, mais la violence va vite s'inviter à la contestation. Les autorités seront vite prises au dépourvu, des casseurs vont intégrer le mouvement et les revendications prennent une tournure beaucoup plus révolutionnaire. L'affaire captive le monde, jamais la France ne nous a paru sous un tel angle. Pour le syndicaliste R.H. Chateau, il s'agit de l'échec de la communication entre un gouvernement et sa population. Oui, là, il y a un clivage entre différentes grandes fédérations. Un B qui représente ce qu'on appelle le col blanc, l'autre un petit peu plus col bleu. Et oui, il y a toujours un clivage CGT, CFDT. Ça, c'est la première faiblesse. Deuxièmement, c'est que Macron lui-même, il fait une prise au dépourvu parce que c'est ce qu'il a envie de faire. Et il trouve finalement une situation au niveau mondial, déflexion gouvernement américain avec Trump, pas fine à comment il expecte. Et aujourd'hui, la France, il a un rôle qu'il a besoin d'amener. À la fois, il a besoin de satisfaire l'exigence de l'Union européenne, l'entreprise privée, pour être reste compétitif, et à la fois, il y a une garantie sociale qu'il a besoin de donner. Donc, libéraux viennent une espèce de nivelage par le bas, qui est un syndicat pas d'accord. Et si je persiste des deux côtés, nous ne pouvons pas trouver une solution. Bizarre, c'est un problème à la table. Les répercussions au sommet d'État français seront à la mesure de l'ampleur du mouvement. Une loi anti-casseurs sera votée pour mettre un terme aux violences. Le président Macron s'embarquera, lui, dans un grand débat national. Au-delà de celles qui sont écrites, toutes les questions sont ouvertes. Moi, j'ai cité ces 35 sur lesquelles je m'engage à ce qu'il y ait une réponse ferme. Mais s'il y a des questions intelligentes, des sujets que je n'ai pas vus qui émergent, ils seront aussi pris. Il ne doit pas y avoir de tabou au moment où on se parle. On doit essayer de traiter en l'état ces sujets pour revenir sur ces grandes fractures que j'évoque. Il entamera un tour de France pour être à l'écoute des Français. Plus de 92 heures de débat, l'Élysée finira par revoir sa copie. Les hausses de prix annoncées seront gelées, les salaires revus, mais la contestation, même diminuée, perdure. Des actualités qui provoqueront de la joie, de la tristesse, du bonheur, des actualités qui susciteront de l'effroi, entraîneront une réflexion, une prise de conscience. Il y en aura encore en 2020 et nous serons là pour vous les rapporter. Alors pour accueillir cette nouvelle année, nous allons bien évidemment conserver ce qu'il y avait de mieux, mais aussi nous souvenir de ce qu'on a vu de moins bon, tirer des leçons et continuer à œuvrer pour une société meilleure. Nous restons à l'écoute pour vous. Notre responsabilité est de vous tenir informés de tout ce qui se passe autour de nous. Écoutez-nous à la radio, regardez-nous à la télévision et les deux en même temps sur nos plateformes multimédia. Nous vous souhaitons de passer de très bonnes fêtes, une très bonne année 2020. À très bientôt. Le moment est historique.